titre, ce thème, reprend effectivement le titre de mon dernier ouvrage que j'ai intitulé « Les jeux du pouvoir et du désir dans l'organisation, dans l'entreprise ». Alors, quand même, une toute petite chose, quand même, dès le départ, sur pourquoi j'ai appelé ça « Les jeux du pouvoir et du désir dans les organisations ». Je dirais, pour deux raisons, tenant compte et du problème du pouvoir et du problème du désir, dans la mesure où il me semble que, habituellement, en tout cas, disons, dans la littérature managériale ou la littérature organisationnelle habituelle, on parle peu de pouvoir, sauf, disons, Michel Crozier qui parle de relations de pouvoir, mais vous verrez que dans ce que j'évoque, j'ai plus le sentiment que quand Michel Crozier parle de relations de pouvoir, il parle plus de relations d'autorité, c'est-à-dire de relations que des acteurs peuvent avoir les uns par rapport aux autres pour augmenter effectivement leur zone d'influence. Et je dirais que pour moi, le terme pouvoir, je ne le développe pas immédiatement dès maintenant, mais le terme de pouvoir est certainement plus chargé, je dirais, de côté violent, d'aspect sacré, d'aspect de puissance, d'aspect de contrainte, car effectivement, quand on dit que des personnes ou des groupes ou des classes ont du pouvoir les unes par rapport aux autres, eh bien ce que l'on entend quand même quelque part, c'est qu'il y a des phénomènes de domination, et quand on parle de dominant et de dominé, naturellement on se trouve dans un affrontement et dans un conflit plus important que lorsqu'on parle d'autorité. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Mais ce n'est pas simplement le pouvoir qui m'a semblé intéressant à évoquer, c'est le problème du désir. Car là, je dirais encore plus que pour le pouvoir, ce terme apparaît très peu dans la littérature des organisations. On parlera de besoin, on parlera de motivation, on parlera des tendances à la réalisation de soi, ou comme disait dans le temps Chambard de Love, des aspirations de l'être humain. Mais le terme de désir apparaît relativement peu, et il me semble que ce n'est pas pour rien, parce que le désir, comme le furet de la chanson, il court le furet, hein, le désir est proprement inextinguible. Le besoin, on peut toujours le satisfaire. Le désir, par définition même, n'est jamais satisfait. Hein. Quand on obtient, quand on atteint l'objet de son désir, immédiatement, le désir se transforme et devient en quête d'un autre objet. Et vous voyez que parler de désir, c'est donc parler d'une, je mets entre guillemets, d'une aspiration de l'être humain qui a cette caractéristique de ne jamais être satisfait et qui nous renvoie effectivement aussi à ce qu'il y a de plus pulsionnel chez l'individu, mais aussi dans les groupes sociaux, ce qu'il y a de plus passionnel, car on sait très bien qu'il y a des passions individuelles et qu'il y a des passions collectives. Et pourquoi je ? Naturellement, quand on voit le titre de mon ouvrage, qui n'est pas repris intégralement dans le titre de la conférence, parce que le titre de la conférence, c'est simplement « Pouvoir et désir dans les organisations », alors que le titre de mon droit, c'est « Les jeux du pouvoir et du désir dans les organisations et dans l'entreprise ». Pourquoi « jeux » ? Bon, de façon évidente, la référence est à Marivaux par rapport au jeu de l'amour et du hasard. Hein. Je veux dire que c'est parfaitement explicite dans ma pensée. Et c'est parce que, effectivement, il me semble que des jeux se jouent. Mais comme, je dirais, dans le théâtre de Marivaux, où on a l'impression que rien ne se passe de véritablement dangereux,
où tout est de l'ordre, je dirais, du bon commerce entre les individus, de la conversation. On sait très bien, et les metteurs en scène modernes de Marivaux ont su faire ressurgir, je dis bien ressurgir, ce qui était profond dans la pensée de Marivaux, c'est qu'au travers de toutes ces conversations, tous ces jeux, etc., se jouait quelque chose de relativement tragique. C'est-à-dire que, alors que quand on parlait de Marivaudage, il y a une trentaine d'années, on avait l'impression de parler pour parler. Maintenant, on sait très bien, quand on lit les textes de Marivaux, et Marivaux a été un... M'excuse de ce petit passage sur Marivaux, mais que j'aime particulièrement. Lisez l'île des esclaves, par exemple. Vous avez toute une théorie de la domination tout à fait intéressante et toute une critique extrêmement subtile et bien vue, je dirais, de toutes les formes de pouvoir. Et donc, il y a bien chez lui quelque chose de l'ordre du pouvoir et du désir. Et c'est pour ça que j'ai repris le terme, pas simplement par facilité, mais justement pour indiquer que ce qui se passe dans les organisations est sans doute plus important, plus difficile, plus tragique. Et attention, quand je dis tragique, je n'entends pas forcément que ça soit dramatique. Le tragique de la vie, ça n'a aucun rapport avec le dramatique. Le dramatique nous renvoie au pathos, à l'expression, je dirais, un peu pathétique des sentiments. Le tragique peut très bien s'exprimer, je dirais, dans des propos mesurés, comme il peut s'exprimer aussi dans des propos exacerbés. Et donc le tragique de la vie, c'est ce qui semble, je dirais, le plus normal, le plus habituel, et qui quand même, véritablement, est là, constamment présent, quand nous vivons les uns avec les autres, et en particulier dans les grandes organisations modernes. Et c'est ce côté-là que je voudrais faire toucher, sans justement tomber dans le pathos, sans laisser de côté que s'il y a, comme on dit beaucoup à l'heure actuelle, de la souffrance dans les organisations, et il y en a, il y a aussi de la possibilité de plaisir, de la possibilité de jeu, de la possibilité ludique, de la possibilité de création. Alors, si je rentre plus directement dans le vif de mon sujet, je vais le faire de façon très simple et un peu académique ou scolaire, c'est-à-dire que je vais parler plutôt du pouvoir d'abord et plutôt du désir ensuite, et je vais articuler un peu naturellement ces deux types de processus. Si je rentre donc dans le vif du sujet, je peux me demander effectivement pourquoi, sauf dans le cas où on parle de relations de pouvoir, le terme de pouvoir est si peu utilisé quand on parle d'organisation. De quoi on parle habituellement dans les organisations ? On parle d'autorité, on parle de capacité de leadership, on parle de processus de décision. Et vous voyez tout de suite que quand on évoque ces trois termes, on évoque des choses, pas seulement des concepts, mais les choses qui sont derrière les concepts, qui peuvent être appréhendables relativement facilement et relativement rationnellement. Je veux dire que quand on dit que quelqu'un a autorité sur quelqu'un d'autre, ou a autorité pour faire quelque chose, ou si quelqu'un, ou si un groupe fait autorité, pour reprendre ce terme ancien mais qui est tout à fait important dans le monde moderne, faire autorité, eh bien on se réfère fondamentalement d'une part à l'idée qu'il y a une certaine compétence derrière. Les gens ont l'autorité, et très souvent on parlera d'autorité de compétence. C'est-à-dire que donc on a les diplômes requis, on a,
je dirais, l'expérience antérieure nécessaire pour exercer un certain type d'autorité. Et vous voyez tout de suite que cette autorité nous est donnée de façon légitime, presque légale, disait Max Weber, une autorité légale, c'est-à-dire l'autorité que l'on a tout simplement parce que, en occupant la fonction que l'on occupe, eh bien, on a les aptitudes et les compétences nécessaires pour, justement, honorer, en quelque sorte, cette fonction, hein, la rendre visible, la rendre fonctionnelle au deuxième sens du terme. Autrement dit, que, en tout état de cause, cette autorité dont on dispose est définie et délimitée strictement par la fonction et le rôle qui est attaché à cette fonction. Et vous voyez que dans ces conditions-là, naturellement, il n'y a, je dirais, de façon évidente, rien de tragique à ce que l'on ait autorité. Si on a de la compétence, je crois que tout le monde sera bien d'accord qu'il vaut mieux que ceux qui donnent des ordres, hein, et effectivement les compétences nécessaires. Mais j'annonçais tout à l'heure qu'il y avait un deuxième point qui militait facilement pour la notion d'autorité par rapport à celle de pouvoir. C'est le sens même du terme autorité. Hein. Bon, ça vient d'auctoritas, mais auctoritas en latin, ça veut dire ce qui accroît. Autrement dit, celui qui a autorité accroît les possibilités pour le groupe qu'il dirige d'arriver à bien réaliser sa tâche. Hein. Et c'est d'ailleurs le fondement même de l'idée d'autorité. Celui qui a l'autorité doit être celui qui doit permettre au groupe ou à la nation ou à l'organisation qu'il dirige de réaliser ce pourquoi il est fait et pourquoi on a défini qu'il devait être. Et donc vous voyez qu'il y a un aspect extraordinairement positif dans le terme d'autorité. Il y a un aspect compétence, il y a un aspect croissance, il y a un aspect de développement et réalisation des buts. Et donc le terme autorité, je dirais, ne fait pas problème. Bon, le terme leader et leadership, bon, comme tous les termes américains, font peut-être un tout petit peu plus problème. Mais en même temps, on sait très bien que quand on a lu la psychosociologie et la sociologie, que le leadership, c'est la capacité des individus à exercer vis-à-vis des autres, pas seulement de l'autorité, mais de pouvoir les amener à réaliser les buts en question avec un certain degré d'enthousiasme. Hein. Le bon leader, comme on dit, c'est celui qui sait motiver ses gens. Hein. Ce qui a donné d'ailleurs parfois des personnes qui ont écrit récemment un bouquin qui s'appelle « Décider, c'est motiver ». Et donc, le leader, c'est quelqu'un qui sait en quelque sorte utiliser le mieux possible le potentiel de son groupe pour faire en sorte qu'il arrive là où il doit arriver. Donc vous voyez que le terme de leader et de leadership, que l'on trouve naturellement mis au fronton de toutes les business schools américaines ou canadiennes, hein, c'est-à-dire être, je dirais, un bon manager, c'est avoir des capacités de leadership, est aussi quelque chose qui est de l'ordre positif, surtout que l'on sait en plus que dans l'idée de leadership, il y a l'idée de la capacité de quelqu'un à rassembler l'énergie du groupe, à faire preuve de synergie. Et donc voilà encore un autre terme que je ne méprise pas, hein, loin de là, hein. Pour le grand dictionnaire Larousse de psychologie, j'ai écrit les textes concernant le pouvoir, l'autorité et le leadership. Donc, pour, vous trouverez donc, si cela vous intéresse, ma vision de ces trois éléments. Donc, je ne les méprise pas naturellement. Mais vous voyez le côté positif. Et quand on me dit des décisions,
Alors là, encore plus, on est dans une société depuis 50 ans, et disons encore plus depuis 20 ans, dans laquelle on se dit que nous devons être de bons décideurs, que nous devons étudier l'information de façon suffisamment rationnelle et de façon suffisamment pertinente pour rassembler l'ensemble des données et pour prendre les décisions qui s'imposent. Si je reprends cette formule un petit peu ambiguë, un petit peu amusante, que nous avait proposée dans le temps M. Raymond Barre. Je dis un peu amusante parce que si c'est des décisions qui s'imposent, naturellement ce ne sont pas des décisions. Mais enfin, passons. Donc, nous sommes là devant toute une série de manières de poser le problème, je dirais, pour être un peu brutal, aseptisées. Rationalisé, gentil, adouci, et je pourrais trouver d'autres synonymes. Quand on parle de pouvoir, on n'est pas du tout dans la même sphère. Parce que parler de pouvoir, et quand on parle de pouvoir, on parle toujours de quelque chose qui est relativement sacré. Le pouvoir royal, ou le pouvoir de Dieu, c'est un pouvoir d'une instance transcendante. C'est le pouvoir d'engager l'action et c'est le pouvoir aussi de parler. Hein. Je dis souvent, au début était le verbe et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est un des attributs de la puissance souveraine. Bon, et donc il y a quelque chose de sacré que l'on voit bien dans le pouvoir que peuvent avoir les parents sur les enfants, jusqu'au moment où, naturellement, l'enfant devenu suffisamment grand démystifiera le pouvoir de ses parents. Mais quand il est petit, hein, on sait bien qu'il n'y a pas plus sacré que le père et que la mère pour l'enfant. Et on sait bien tous les problèmes que vont avoir les enfants quand, soudainement, les parents ne diront pas la même chose exactement que la maîtresse d'école. Et soudainement, il sera confronté à deux type de légitimité qui ne saura plus toujours, si par hasard il y a des contradictions, faire fonctionner ensemble. Donc dans pouvoir, il y a quelque chose de sacré, et allons plus loin, il y a quelque chose de violent. Quand Max Weber, auquel je me réfère très souvent, non pas seulement parce que j'aime beaucoup la sociologie de Max Weber, mais parce que quand même, il fait partie de des trois ou quatre grands plus sociologues qui aient jamais existé, quand Max Weber dit le pouvoir, c'est l'usage légitime de la violence, il sait très bien ce qu'il dit. Car avoir du pouvoir, c'est à un moment ou à un autre pouvoir contraindre l'autre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et quand même les Américains traitent du pouvoir, alors qu'ils ont, eux, aussi une tendance à aseptiser les problèmes, malgré tout, si on reprend la vieille formule de Ronald Dahl, l'un des premiers à avoir parlé de pouvoir, il dit très bien, le pouvoir, c'est la capacité de quelqu'un à obtenir de quelqu'un d'autre ce qu'il n'aurait jamais fait si l'autre personne ne lui en avait pas donné l'ordre. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, quand on pense en termes de pouvoir, on pense en termes de faire à l'autre ce qu'il n'a pas forcément envie de réaliser. Et on sait bien que dans tout pouvoir, effectivement, il y a un moment, la contrainte, et on sait bien que, par exemple, le pouvoir que peut avoir un gouvernement vis-à-vis de nous, j'espère qu'il n'en aura pas d'ici les quelques années qui vont suivre, c'est effectivement aussi le pouvoir de se sacrifier pour la patrie, c'est-à-dire de donner sa propre vie. Donc vous voyez que le terme de pouvoir est un terme qui fait relativement peur, et je dirais que c'est pour ça que, à part quelques sociologues, il est relativement peu utilisé. Et si je l'utilise abondamment et surabondamment par rapport aux autres termes que je connais bien, puisque j'ai été amené à les définir également, ce n'est pas pour rien. C'est qu'il me semble que dans l'organisation, c'est vrai qu'il y a des phénomènes d'autorité, c'est vrai qu'il y a des prises de décision, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des capacités plus ou moins grandes de leadership. Mais enfin, il y a quand même le pouvoir
que l'institution fait peser sur nous. Il y a les normes que l'on ne peut pas remettre en cause, il y a les obligations que l'on ne peut pas mettre en cause, et puis il y a toujours aussi le pouvoir de se séparer définitivement de nous. Naturellement, c'est moins vrai dans la fonction publique, mais la fonction publique, on sait bien qu'elle tombe en déshérence, et que, de toute façon, c'est le pouvoir aussi d'élimination. Et si ce n'est pas le pouvoir d'élimination réel, c'est en même temps le pouvoir d'élimination psychique. Hein. On ne fait pas par le pouvoir que poursuivre la mort physique des autres, on peut aussi poursuivre la mort psychique des autres. Hein. Et si on regarde bien ce que sont les organisations, et un peu l'évolution, de façon un peu rapide, compte tenu du temps que j'ai à ma disposition, eh bien, on peut constater que dans les grandes organisations modernes, je ne suis pas naturellement le seul à le dire, Michel Foucault l'a dit remarquablement, même si je ne suis pas spécialement foucauldien sur toutes ces questions, je crois que Foucault est, comme on le dit facilement, incontournable, et c'est tout à fait vrai, c'est le fait que le pouvoir s'est exprimé justement, même s'il y a beaucoup de pouvoir, même s'il y a des micro-pouvoirs, même s'il y a des luttes de pouvoir, même s'il y a des jeux de pouvoir, tout cela, nous le savons bien. Et Foucault, le premier, l'a très bien montré, peut-être pas le premier, mais un des premiers en tout cas. Mais ce qu'il a surtout très bien montré, c'est que, effectivement, le pouvoir visait à rendre les gens soumis et dociles. Et que le premier pouvoir qui s'exprime, et que l'on peut voir à l'intérieur des organisations, et si je remonte pas trop loin, puisque quand même la théorie des organisations a d'abord été une théorie de l'organisation industrielle pour progressivement se mettre à diffuser et s'intéresser aux autres types d'organisations, ce que l'on peut voir depuis, je dirais, que les organisations industrielles se sont mises en route, c'est effectivement un contrôle et un pouvoir extrêmement violent sur, je dirais, les corps, mais avec ce côté, je dirais, que ce n'est pas simplement le corps qui est mis en œuvre, mais la vie des personnes elles-mêmes qui est mise en œuvre. Mise en œuvre et mise en question, naturellement. Hein. Et là, on n'a qu'à se référer, tout le monde les connaît bien, au moins par ouï-dire ou par lecture de deuxième main, aux travaux de Engels sur la classe laborieuse en Angleterre, ou au travail de Buret ou de Villeneuve-Bargemont sur, effectivement, la condition, je dirais, de ceux que l'on commençait à appeler les prolétaires en France, en tout cas les ouvriers. Et ce n'est pas pour rien que Saint-Simon, qui est quand même le premier à avoir inventé la sociologie, naturellement, Saint-Simon parlait encore de physiologie sociale, et c'est Auguste Comte qui inventera le terme de sociologie, mais enfin, Auguste Comte a été le secrétaire pendant 10 ans de Saint-Simon et lui a chippé les 3/4 de ses idées. Bon, ça c'est une parenthèse. Je n'aime pas beaucoup Auguste Comte et j'ai une énorme admiration pour Saint-Simon. Bon, il y a d'autres qui préfèrent l'inverse. Tout ça, ce n'est pas grave. Mais Saint-Simon parlait effectivement en parlant des ouvriers, de la classe la plus nombreuse de la population, qui était dans des conditions misérables, et ce n'est pas pour rien que c'est Saint-Simon qui a inventé le terme d'exploitation, que Marx a repris, hein, et que Saint-Simon parle aussi d'aliénation, mais très légèrement, ça, Marx y a apporté quelque chose de supplémentaire à partir de Hegel. Mais il avait bien vu le problème de l'exploitation, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'un penseur comme Karl Marx, s'il a critiquer Proudhon, etc., etc., a toujours montré son admiration pour l'œuvre de Saint-Simon. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est bien le cas, et je ne veux pas trop développer, tout le monde le connaît bien, dans lesquels, effectivement, on est dans le fait que les gens travaillent dans les mines à partir de 5 ans ou 6 ans, où la durée de vie est
est courte, où les conditions de travail sont relativement lamentables, et où, effectivement, les classes laborieuses, comme on le dit, sont en même temps considérées comme des classes dangereuses par l'élite et donc doivent être tenues correctement. Et puis, ce phénomène ne se joue pas simplement dans l'organisation industrielle, il se joue dans l'ensemble de la société. Pour donner un simple exemple qui est quand même relativement frappant, il a fallu une décision de la reine Victoria, donc à la fin quand même du 19e siècle, pour que les maisons de prostitution ne soient pas remplies d'enfants, de filles de moins de 8 ans. Parce que, auparavant, jusqu'aux années 50 ou 1860, on trouvait des filles de 5 ans ou de 6 ans sur lesquelles les lords anglais pouvaient satisfaire leurs désirs les plus démesurés. Hein ? Donc, vous voyez, contrôle sur les corps, et que l'on va trouver aussi, naturellement, je ne veux pas développer, dans les prisons, que l'on va trouver aussi dans la conception de l'enseignement. Et Foucault me semble avoir été tout à fait raison en disant, quand on regarde les écoles, les prisons et les entreprises du début du XIXe siècle, eh bien, ou les casernes, il est très difficile de savoir le quoi et quoi, car une école ressemble à une caserne qui ressemble à une prison, etc. Donc, contrôle très, je dirais, nous avons affaire à une violence évidente. Bon, cette violence évidente, elle va petit à petit, je dirais, devenir de plus en plus nuancée, car ce qui va se passer avec toute l'invention de l'organisation scientifique du travail à partir du début du XXe siècle, ça va être aussi, et ça va être aussi un contrôle sur les corps. Mais on ne va plus jouer la vie ou la survie des individus. C'est-à-dire que le contrôle sur les corps va devenir plus rationnel, hein, par le chronométrage, par les temps et mouvements, etc. Et qui vont faire que les personnes devront effectivement avoir des gestes stéréotypés ou des manières stéréotypées de se comporter, mais naturellement avec comme idée fondamentale qui différencie de la première perspective qu'il ne s'agit surtout pas de les faire mourir vite. Hein. Au contraire, on tâchera d'ailleurs de leur donner des salaires considérés comme décents, de manière à ce que par la suite, avec le fordisme, etc., les gens puissent consommer effectivement les produits qu'ils ont eux-mêmes contribué à réaliser. Et tout cela n'est pas vrai simplement de l'entreprise, c'est vrai aussi, par exemple, dans toutes les mesures d'hygiène et de domptage des corps que nous avons dans l'école, que ce soit l'école française ou dans l'école allemande, de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, où on apprend effectivement aux enfants à se tenir bien, comme on se tient bien à table. Hein. Naturellement, quelqu'un d'avachi comme moi ne pourrait pas être supportable dans une telle perspective. Hein. Il faut donc regarder toujours la ligne bleue horizon. Hein. Et puis, justement, savoir comment on doit mettre ses coudes sur la table, savoir comment on doit mettre son crayon, etc., etc. Et donc, comment marcher en rang, hein. On ne marche pas en rang seulement dans l'armée, on marche en rang à l'école. Cela sera naturellement un peu plus fort chez les Allemands que chez les Français. Je ne sais pas si vous avez jamais remarqué que vous avez 200 villes en Allemagne qui portent le nom d'un monsieur qui s'appelle Schreiber. Schreiber a été un grand éducateur allemand qui est devenu célèbre parce qu'il a donné naissance à un grand paranoïaque, le président Schreiber, dont Freud a fait l'analyse de l'ouvrage. Naturellement, quand on a eu un tel père, il était normal que le fils devienne paranoïaque. Ça nous a donné naturellement quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire une contribution à la théorie psychanalytique. Mais Schreiber, qui était un homme qui a donc eu une influence forte sur l'éducation, puisque je vous dis, il y a toujours 200 villes en Allemagne qui ont une avenue Schreiber, était le monsieur qui avait inventé naturellement
toute une série de dispositifs que les enfants devaient mettre pour se tenir droit, pour... je ne peux pas détailler, mais si on prend les dessins qui existent, vous avez la manière de vous tenir, la manière de tenir votre menton, etc. C'est-à-dire effectivement le côté disciplinaire, hein, c'est-à-dire effectivement du corps docile qui est prêt effectivement à entendre les ordres ou le savoir disposé par les maîtres. Je donne simplement l'exemple, les deux exemples. Je pourrais prendre des exemples dans les prisons, mais ne développons pas trop. Donc, corps en danger, puis corps soumis, mais corps rentable. Ah, voilà déjà un premier point tout à fait intéressant, c'est-à-dire l'idée d'un pouvoir sur des corps rentables. Ah oui, on aurait pu s'en arrêter là, mais pas du tout. Pas du tout, ça devient de plus en plus compliqué, de plus en plus subtil au fur et à mesure que nous avançons. Car par la suite, bon, tous les dirigeants ont bien compris, à un moment ou à un autre, que c'était pas suffisant d'avoir des gens qui obéissaient bien. Parce que des gens qui obéissent bien, c'est pas très innovateur, c'est pas très dynamique. Et puis, il faut pas simplement de bons ouvriers, il faut de bons cadres, il faut de bons professeurs, il faut des gens qui ont un certain dynamisme, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, le problème du contrôle sur les corps se déplace sur le contrôle sur la pensée, hein, sur, disons, la psyché, hein, la pensée et puis ensuite l'affectivité. Je ne veux pas trop distinguer entre les deux. Mais c'est-à-dire que ce que l'on va demander aux gens, c'est non seulement de bien faire leur travail, d'être conforme, mais de penser de façon analogue, hein. Je me souviens, dans le temps, j'étais allé, j'avais fait une intervention chez IBM, et vous savez que les cadres IBM avaient, ils ont sans doute toujours maintenant, encore, une petite, j'oublie le terme, vous savez, comment ça s'appelle, hein, Un cavalier, oui, comme ça, juste devant eux, où il y avait écrit, en différentes langues, « penser »,« think »,« penser », etc. Et naturellement, avec mon bon vieux esprit habituel, j'avais dit, ah oui, vous devez leur rappeler de penser, parce qu'habituellement, ils ne pensent pas beaucoup. Ce qui me semble, au-delà de l'anecdote, c'est qu'effectivement, il y a un contrôle de la pensée, non pas que l'on veuille dire que les gens ne doivent pas penser, mais que la pensée est mise, ce que j'ai évoqué dans un autre de mes livres, en quelque sorte en liberté surveillée. Hein. C'est-à-dire que la pensée doit être une pensée qui ne remet pas en cause les objectifs, les modes de pensée, je dirais, habituels dans l'organisation. Hein. Et si on a des pensées non conformes, si on a des espèces de déviations idéologiques ou des déviations au niveau de la pensée, eh bien, à un moment ou à un autre, on sera bien obligé de se séparer de vous. Donc, et vous voyez que naturellement, plus on s'élève dans la hiérarchie sociale, plus on s'intéresse au contrôle de la pensée, et naturellement, on ne s'intéresse pas au contrôle sur les corps. Le corps, c'est les ouvriers, et la pensée, ça sera plutôt les cadres. Bien que, quand même, le cadre, etc., devra se contenir ou se maintenir d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire que, par exemple, effectivement, si on prend toute cette époque, on n'aurait jamais pu accepter que des êtres comme vous et comme moi arrivent dans cet état de débraillé dans lequel nous sommes. Hein. Bon, chez IBM, les gens étaient habillés en pingouin, c'est-à-dire donc costume-cravate noire, hein. Et dans beaucoup d'entreprises, je me souviens d'une entreprise belge où j'étais arrivé avec simplement un gilet rouge, et ça avait eu autant d'effet que le gilet rouge de Théophile Gautier à la bataille des Ranani, c'est-à-dire que le directeur général s'était demandé s'il pouvait avoir confiance en quelqu'un qui avait un gilet rouge. Vous vous rendez compte? Je raconte une histoire qui n'est pas tellement vieille, bon, elle date d'il y a 30 ans, mais quand même, vous voyez que ce n'est pas tellement vieux que ça. Donc, contrôle sur la psyché, contrôle sur le comportement. Je dirais que maintenant, la violence est devenue encore plus subtile. Parce que la violence,
ou le contrôle. Mais le contrôle est toujours quelque peu violent parce qu'il nous empêche bien de faire ce que l'on pourrait avoir envie de faire, va s'établir non seulement sur la psyché, non seulement sur l'affectivité, bon, j'ai peut-être été un peu rapide, mais également sur l'inconscient des individus. Si vous prenez toutes les techniques modernes dites de management, même les techniques de management participatif qui ont lieu dans les entreprises, mais qui ont lieu maintenant dans toutes les organisations, dans les hôpitaux, comme dans les écoles ou comme dans les ministères, en tout cas au moins dans certains d'entre eux, on constate quoi ? On constate l'idée qu'il est important que les individus soient le plus possible corps et âme, je dirais, avec leur enthousiasme, avec leur capacité, identifiés à l'organisation dont ils essayent effectivement, de promouvoir. Et quand je dis l'inconscient, c'est tout simplement qu'au travers de cette idée, il s'agit de capter, et c'est pour ça que tout à l'heure j'arriverai tout tranquillement au désir, de capter les désirs les plus profonds pour pouvoir les canaliser vers le but de la production de l'organisation en question. Naturellement, pour faire cela, bah, on ne peut pas se comporter comme les gens du 19e siècle. Hein. Et donc le pouvoir devient de plus en plus subtil, devient de plus en plus séduisant. Devient de plus en plus séducteur. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'est-ce que l'on demande à un bon dirigeant à l'heure actuelle, de façon assez amusante, c'est d'allier ce que l'on appelait dans le temps les qualités les plus viriles à ce que l'on appelait également dans le temps les qualités les plus féminines. C'est-à-dire en même temps d'être ferme mais souriant. Hein, de donner des ordres sans en avoir l'air, de faire participer un peu, mais de se réserver la possibilité de trancher. C'est-à-dire toute cette espèce de mélange qui fait que, je dirais que, d'ailleurs, c'est une parenthèse, les femmes ont beaucoup perdu à toute cette évolution parce que tout ce qu'on leur reprochait, maintenant, les hommes les ont pris. Hein. Bon, on n'a qu'à voir, effectivement, les grands dirigeants, ils sont plus méchants du tout, ils sont tous souriants, adorables, ils vous parlent bien, etc., ils vous consultent, bon, etc., etc. Et donc, effectivement, il y a tout un aspect de la féminité, de la théâtralisation féminine, un peu de ce qu'on appelait l'hystérie féminine, liée à la vieille perversion masculine, hein, qui est d'utiliser les autres comme des objets et de les faire fonctionner comme on le désire. Et je dirais que ce pouvoir plus subtil est en même temps beaucoup plus, je dirais, fort que l'ancien pouvoir. Non pas que je pense que l'ancien pouvoir était meilleur, parce que vraiment, il y avait beaucoup de gens qui mouraient, et on peut voir que ce type de pouvoir qui existe encore dans bien des pays que j'ai pu visiter, je n'aimerais pas que ça se passe encore comme ça en France. Mais en même temps, ce pouvoir subtil, il est très difficile à contrer, il est très difficile à mettre en cause, parce que quand vous avez quelqu'un qui vous oblige, qui vous contraint, bon, on peut se dire, on se révolte. Mais quand vous avez quelqu'un gentil, adorable, souriant, qui vous dit, mais écoute, cher ami ou cher ami, il faudrait faire ceci, oui, d'accord, tu y passeras la nuit, mais tu verras comment on en sera tous heureux, et puis ça sera bien pour l'organisation, etc. Eh bien, on le fait, hein. On le fait. C'est-à-dire qu'au travers de cela, je dirais que l'on capte en quelque sorte cette énergie. Alors, vous me direz, tout cela, c'est quand même une vision du pouvoir un peu noire, un peu triste. Mais c'est vrai que cet élément existe. Alors, naturellement, il y en a un autre sur lequel je ne vais pas insister. Bon, je devrais peut-être insister, mais bon, comme je dois parler du désir, que je regarde ma montre de façon fréquente, je ne peux pas parler de tout. Il y a un pouvoir qui serait un autre type de pouvoir, qui est le pouvoir de faire ensemble. Car après tout, le pouvoir, ce n'est pas seulement le pouvoir de contrainte,
Le pouvoir sur les hommes, ça peut être le pouvoir de faire. Et d'ailleurs, le terme pouvoir aussi, c'est le pouvoir de faire, de réaliser des choses, de transformer les choses, etc. Mais vous voyez que quand on pose le problème de pouvoir en transformant les choses, en faisant des choses, ça pose tout de suite un autre type de question. C'est-à-dire que ça pose le problème, je dirais, du collectif. Si on veut vraiment réaliser quelque chose ensemble, si on veut, suivant la phrase d'Anna Arendt que j'aime beaucoup et que je cite souvent, quand elle dit « agir ensemble, c'est être capable de réaliser quelque chose qui était inimaginable », cela veut dire que l'on a des raisons de vouloir faire quelque chose ensemble. C'est-à-dire que ça pose de façon évidente le fait que le pouvoir peut être partagé entre les membres du groupe, hein, que le pouvoir peut être diffusé, et que donc qu'il peut y avoir, je dirais, une capacité collective de pouvoir sur les choses, mais qui n'est pas identifiée à un être ou identifiée à, je dirais, une caste ou une classe ou un appareil. Et vous voyez qu'il me semble que ce qui serait très important, effectivement, dans les organisations, c'est d'insister beaucoup plus sur le pouvoir de faire ensemble. Mais vous voyez qu'à partir de ce moment-là, il est nécessaire de poser comme question, est-ce qu'on peut passer d'une vision hiérarchique des organisations, une vision despotique des organisations, à une vision qui serait réellement, je dis bien et je souligne réellement, plus démocratique, c'est-à-dire dans laquelle les gens sauraient travailler en groupe, communiquer, se confronter, au besoin rentrer en conflit, mais en sachant effectivement être capable de traiter les conflits et de ne pas laisser, comme on dit, des cadavres, hein, et des squelettes dans les placards. Et vous voyez que ça demande, de la part de chacun d'entre nous, naturellement, beaucoup plus de maturité émotionnelle, beaucoup plus de capacité de remise en cause, beaucoup plus, je dirais, de référence à une éthique qui serait en même temps une éthique de la responsabilité de ce que l'on fait, une éthique nous amenant à défendre nos convictions, mais à les abandonner lorsque la discussion nous montre que ces éléments que l'on croit vrais sont sujets à caution, et ce que j'ai appelé il y a quelque temps une éthique de la finitude, c'est-à-dire la capacité à comprendre à l'intérieur de nous-mêmes ce qui fait que nous sommes des êtres limités, que nous sommes des êtres mortels, ça nous le savons, mais nous ne le vivons guère, si je peux m'exprimer ainsi, que nous devons faire le travail de deuil d'un certain degré d'omnipotence, et que donc, effectivement, la vie avec les autres, avec toute la difficulté que cela comporte, c'est aussi une certaine façon d'avoir du plaisir à rencontrer l'autre, hein, ce que un philosophe comme Lévidas appelait très bien l'appel de l'autre et répondre à l'appel de l'autre. Vous voyez que ce n'est pas si facile, alors que c'est beaucoup plus facile quand on est dans des situations de pouvoir d'exercer de la contrainte sur les autres. Et que donc, d'une part, ça remet en cause les modèles les plus habituels de fonctionnement de la société, mais que ça remet aussi en cause notre plus intime de l'individu. Et c'est peut-être pour ça que, très souvent, la sociologie des organisations n'a pas voulu traiter ce problème. Parce qu'elle ne voulait pas traiter ni du plus intime de l'individu, ni du plus politique de la société. Se contentant de cette espèce d'entre-deux qui est souvent relativement, comme je l'indiquais tout à l'heure, relativement aseptisée. Alors, vous me direz, oh là là, et le désir dans tout ça, alors qu'effectivement, c'est peut-être sur le désir que j'aurais le plus à dire, mais tant pis. Sur le désir,
Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, que, effectivement, dans l'organisation, nous ne sommes pas là simplement en tant qu'être fonctionnel. Nous ne sommes pas là comme être simplement public. Weber disait dans Le Temps, il faut séparer strictement la vie privée et la vie publique. Dans la vie privée, vous pouvez avoir des sentiments, vous pouvez avoir des passions. Dans la vie publique, qui peut se réaliser naturellement dans une entreprise privée, hein, je parle dans un espace public, c'est-à-dire où on rencontre d'autres personnes avec qui on travaille, dans un espace public, vous devez fonctionner suivant l'idée de la rationalité, on peut même ajouter suivant l'idée de la stricte rationalité instrumentale. Autrement dit, vous ne devez avoir ni désir, ni passion, ni émotion, ni rien. Bon, vous devez être, je dirais, identifié à votre rôle. Or, ce n'est pas vrai. Je dirais, même dans les entreprises les plus bureaucratiques de la création, on s'aperçoit bien que les individus jouent des rôles, ont des statuts, mais que de temps en temps, ils s'énervent, que de temps en temps, ils ne prennent pas des décisions rationnelles. Hein. Et on n'a qu'à voir, bon, ce n'est pas la peine de donner beaucoup d'exemples, mais on n'a qu'à voir, effectivement, le nombre de décisions irrationnelles qui ont pu être prises, même simplement si on prend la construction du RER, qui a été faite de la façon la plus bizarre de la création, alors qu'en l'an 1900, Bienvenue avait été capable de nous faire un métro de façon beaucoup plus brillante, en beaucoup moins de temps. Hein. Je renvoie à tous les travaux, qui ne sont pas les miens, de l'équipe de Crozier et des autres, pour bien montrer que la construction du RER a été quelque chose d'assez effroyable et qui a coûté un fric absolument invraisemblable. Bon, donc, c'est vrai, on prend des décisions sans avoir tous les éléments, on prend des décisions aussi parce qu'on est contre la décision de l'autre, etc. Tout simplement pourquoi? C'est tout simplement parce que nous sommes là avec des désirs de pouvoir, naturellement, et c'est là que ça va se jouer, hein, mais aussi des désirs d'affiliation aux autres, c'est-à-dire qu'on va appartenir aussi et s'affilier plutôt à une petite équipe plutôt qu'à une autre, des désirs d'appartenance à l'organisation tout entière, qui peut nous amener à nous identifier à l'ensemble de l'organisation. Et puis, également, et je ne veux pas tomber dans une espèce d'angélisme du désir, comme on peut l'évoquer dans Le Temps, Deleuze et Guattari dans l'Anti-Oedipe, où on avait l'impression que le désir était toujours beau, toujours rousseauiste, toujours magnifique. Pas du tout. Hein. Et ça, je suis désolé, je suis un vieux freudien. Hein. Dans les désirs, il y a bien le désir d'union avec les autres, de liaison avec les autres, de désir des autres. Hein. Le désir est toujours le désir de l'autre, comme disait Hegel. Il y a donc Eros qui est là. Il y a naturellement aussi Thanatos, il y a aussi le désir de détruire les autres, le désir de les mettre à merci, le désir d'avoir raison, le désir de se faire écouter envers et contre tout. Et donc, en tout état de cause, je ne prône pas une espèce de théologie du désir qui serait bon en soi. Il y a des désirs les plus affreux. Hein. Hitler avait incontestablement des désirs. Hein. Bon, et il les a réalisés. Bon, donc, dire que le désir n'est pas bon en soi ne veut pas dire que le désir ne joue pas effectivement son rôle. Et on sait bien, on n'a qu'à s'examiner soi-même deux minutes, qu'on sait très bien que dans la façon dont nous nous organisons, dont nous occupons nos rôles, dont nous occupons nos fonctions, nous faisons passer quelque chose, je dirais, de notre existence, de notre désir de nous prouver à nous-mêmes que la vie, aussi arbitraire qu'elle soit, nous essayons d'en faire un minimum. Car si nous n'avons pas ce minimum de désir, alors nous tombons dans, vous savez, tous ces gens qui vous disent « pas de futur », et donc nous tombons dans tous ceux qui, à la limite, ne peuvent plus avoir que comme désir, parce que ce n'est pas vrai qu'ils n'en ont pas, que d'un désir autodestructif. Hein. Alors, l'organisation et le pouvoir est bien
devant ce désir. Et justement, qu'est-ce qu'elle va en faire de ce désir? Elle fait comme s'il n'existait pas. Mais elle s'en sert. Hein. Je veux dire que les organisations sont toujours beaucoup plus subtiles, et les dirigeants des organisations, si on ne veut pas que je sois trop anthropomorphique, les gens sont beaucoup plus subtils. On va le canaliser vers le travail productif. On va refouler les désirs qui semblent les plus aberrants. On va réprimer ceux qui sont discordants par trop avec l'organisation. On va faire semblant de prendre les gens à leur propre désir. C'est ce que j'appelle prendre les gens au piège de leur propre désir. C'est-à-dire que l'organisation va vous dire, et toute organisation est ainsi, hein, ce n'est pas, l'organisation n'est pas plus machiavélique l'une que l'autre, elle va vous dire, dévouez-vous, faites les choses, et je vous rendrai au centuple ce que vous m'avez donné. Ce qui est toujours faux. Le contrat avec une organisation est toujours un contrat léonin, sauf pour quelques-uns qui arriveront au fait de l'organisation, on est toujours floué, et je ne dis pas ça de façon méchante, dans la vie, on est toujours un peu floué. C'est un élément de fonctionnement, je dirais, habituel. C'était Jean Houry qui disait avec beaucoup d'humour, les organisations n'existeraient pas s'il n'y avait pas chez chacun d'entre nous un certain masochisme fonctionnel. Hein ? C'est-à-dire que c'est vrai qu'on... Bon, alors naturellement, il y a les tirs au flanc. Ça existe. Bon, mais je ne pense pas que je parle à des tirs au flanc. Donc, mais les autres, effectivement, ils se dévouent. Hein, Castoriadis a bien montré que beaucoup d'entreprises n'auraient jamais fonctionné si les ouvriers ne se débrouillaient pas pour combler les lacunes de l'organisation qui existait. Mais on comble les lacunes, on finit par se débrouiller, on finit par faire des tas de choses. C'est pourquoi ? Parce que dans une certaine mesure, on pense que, effectivement, un jour, on sera récompensé. Je ne dis pas qu'on n'est jamais récompensé, ce serait faux. Je dis que la récompense est rarement à la hauteur du dévouement que l'on a eu. Ce qui fait, et alors c'est tout à fait intéressant, qu'on n'a pas simplement, comme le pensait Marx, des phénomènes d'aliénation. On a les phénomènes d'auto-aliénation, d'auto-instrumentalisation. C'est-à-dire que soi-même, on se met dans la situation de répondre aux objectifs ou aux injonctions du pouvoir, parce que dans une certaine mesure, on y croit, on veut effectivement faire quelque chose. Je prendrai un exemple qui est tout simple, qui avait été communiqué par un de mes amis, qui est assez amusant, sur une autoroute allemande qui est régulièrement bouchée. Il y a un grand panneau dans lesquels est indiqué « Vous n'êtes pas dans un embouteillage, vous êtes l'embouteillage. » Et naturellement, vous êtes... C'est-à-dire que nous sommes partie prenante de notre propre aliénation. Que quand on dit que ça marche mal, qu'est-ce que l'on fait pour que ça marche autrement? Et je dirais que c'est là aussi le jeu très subtil des organisations. C'est, en faisant semblant de ne pas toucher au désir, savoir l'utiliser, je dirais, au maximum. Mais toujours dans un désir relativement aliéné. Et je voudrais terminer, pour être dans les temps, par le fait que ce qui me semble, c'est que là aussi, l'organisation me semble avoir trop de défiance. Quand je dis l'organisation, je dis toutes les organisations. Naturellement, il y a des organisations meilleures que d'autres. Il y a des organisations où on se sent plus à l'aise que d'autres. C'est tout à fait évident. Dans lesquelles la contrainte est moins forte. Bon, je ne pense pas que la contrainte ici soit aussi forte que dans l'armée de 1914. Ça me semble tout à fait évident. Donc il faut faire des distinguos. Hein, c'est sûr. On ne fusillera personne si on ne va pas au combat. Donc, il y a bien... Mais... Simplement, ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, les organisations se défient des individus et de leurs désirs, car ils ont toujours peur que la parole libre, ça devienne de la parole folle. Ils ont toujours peur que le fait de dire quelque chose sur des choses sur lesquelles on n'a pas compétence
nous fasse croire que l'on puisse avoir compétence sur n'importe quoi. Et moi, ce que je peux constater, ce que j'ai constaté, en tout cas, depuis une quarantaine d'années que j'ai été consultant et que je suis intervenu dans des organisations, c'est que, bien souvent, si les organisations avaient su écouter le désir tel qu'il s'énonce par les gens, c'est-à-dire des désirs de réalisation, des désirs d'affiliation, des désirs de solidarité, mais aussi des désirs de remettre en cause les structures telles qu'elles sont là, de remettre en cause des systèmes de pouvoir tels qu'ils sont établis, etc. Je pense que bien souvent, elles se seraient mieux portées. Moi, j'ai eu beaucoup d'expériences à un moment où les organisations étaient peut-être plus expérimentales que maintenant et où beaucoup d'organisations acceptaient, plus que maintenant, je ne dis pas qu'il n'y en ait pas qui acceptent, plus que maintenant de se remettre en cause, où les gens étaient plus prêts à faire cette espèce de travail sur eux-mêmes pour se poser des questions, et de voir que ces organisations en question dont je parle, eh bien, il n'aurait jamais arrivé de catastrophe, bien au contraire. Et je terminerai avec cette idée que si, en définitive, les organisations, les entreprises, les hôpitaux, etc., étaient plus effectivement en mesure d'écouter véritablement, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'il faut être à l'écoute, hein, d'écouter véritablement, c'est-à-dire d'en faire quelque chose, de discuter, de se confronter, même au besoin de se disputer sur des problèmes essentiels apportés par les uns et par les autres, elles seraient en mesure d'utiliser mieux le potentiel des uns et des autres, et peut-être, pour ne pas tomber dans une suraliénation encore plus subtile, naturellement, de pouvoir essayer de répondre le mieux possible à cela. Je conclurai en disant quand même, petit bémol sur l'ensemble, qu'il me semble que de toute façon, les organisations les plus vivantes, les plus dynamiques, ont toujours été celles qui ont favorisé chez leurs participants une capacité à l'autonomie et à la remise en cause, et que les participants des organisations qui se sont le mieux débrouillés, je dirais, pas au niveau de la réussite sociale, mais au niveau du sentiment qu'ils ont fait quelque chose de leur vie, ont été ceux qui ont pu œuvrer dans l'organisation en gardant un certain degré de distance critique et d'humour par rapport aux organisations dans lesquelles ils sont. Monsieur Henriquez, bonsoir. Vous avez accepté de vous livrer à l'expérience que représente la participation aux rencontres de l'INJEP. Nous venons d'écouter votre exposé sur le thème du pouvoir et du désir dans les organisations. J'aurais envie, peut-être avant de reprendre les éléments de cette conférence, de vous demander d'une manière un petit peu brutale, après tout, qu'est-ce que c'est que la psychosociologie ? Oh, c'est une grande question, ça. Alors, disons, si je veux y répondre de façon simple, que c'est essentiellement un essai de ne pas dissocier les phénomènes psychiques et les phénomènes sociaux, c'est-à-dire d'en étudier les articulations et les déterminations réciproques. Ça, c'est une certaine manière de la définir. Une deuxième manière de définir, c'est de se dire qu'on est dans une perspective qui essaye de lier recherche et action, études et interventions. C'est-à-dire que le postulat sous-jacent est le suivant, on ne comprend les hommes, les groupes, les organisations que en essayant d'accompagner les changements qui se produisent et en essayant,
je dirais, de favoriser les changements qui se produisent, je dirais, de façon régulière, dans la mesure où, et c'est différent, je dirais, de certaines perspectives sociologiques habituelles, on ne veut pas faire de diagnostic d'un certain moment, car on a le sentiment qu'à ce moment-là, on étudie l'institution ou l'organisation comme une photo. Hein. On dit, on essaye d'avoir une image la plus nette, ce qui donne effectivement parfois des choses tout à fait intéressantes sur l'état actuel du fonctionnement, mais qui ne nous dit rien sur les processus qui sont en œuvre et qui ne sont pas toujours aussi visibles qu'on voudrait bien le croire, et qui sont en définitive ce qui sera important pour, je dirais, la dynamique de l'organisation ou du groupe que l'on est en train d'examiner. Autrement dit, je dirais que d'une part, c'est véritablement l'idée que, pour reprendre un peu le terme de Norbert Elias, la société des individus, les individus sont toujours dans la société est présente dans les individus, mais que d'autre part, on ne comprend les choses qu'en agissant dessus. Et alors qu'habituellement, on dit que quand on intervient, on change la réalité, hein, comme on pourrait le dire en physique, etc., on sait maintenant, et le parti pris de la psychosociologie, c'est de se dire qu'on comprend bien les choses uniquement quand elles sont, comme le disait d'ailleurs Marcel Mauss pour la sociologie, quand on voit la dynamique du groupe, et comme il le disait lui-même, le comportement tout entier du groupe. Et pour voir des comportements, il ne faut pas donc voir les sociétés ou les groupes ou les organisations dans ce qu'il appelait dans des situations cadavérique, j'utilise le terme de Marcel Mauss, mais de les voir justement en train de vivre et en train de fonctionner. D'accord. Et donc ça, c'est une démarche qui s'applique aussi bien au corps social dans son ensemble que à des organisations, y compris toutes petites. Alors, ce que l'on peut dire, c'est que la psychosociologie a eu comme ambition, au départ, d'étudier justement plutôt les groupes face à face, les petits groupes, et que parfois elle s'est un peu contentée d'étudier les petits groupes, d'étudier ou d'intervenir sur les petits groupes. C'est-à-dire que ça a donné lieu au training group, donc au groupe de formation, etc., avec une espèce d'idée sous-jacente que puisque c'était le lieu où les interactions étaient les plus denses et les gens les plus spontanés, on pouvait voir à l'intérieur de ce microcosme, je dirais, les étapes essentielles ou les principes essentiels qui gouvernent toute organisation ou toute nation plus grande. Enfin, il y avait un peu l'idée que de cette micro-sociologie, en quelque sorte, micro-psychosociologie, on pourrait atteindre des principes, je dirais, plus globaux. Je dirais que maintenant, on a revu ces résultats à la baisse. C'est-à-dire que d'un côté, la psychosociologie s'est aperçue que l'étude des petits groupes était tout à fait passionnante, mais qu'en même temps, il y avait des règles sociales, des normes sociales, et donc progressivement s'est orientée vers l'étude d'organisations plus complexes, plus situées, plus durables, ou des institutions globales de la société. Donc, je dirais, un certain type de regard psychosociologique peut parfaitement être utilisé et utilisé, en tout cas dans mon cas, il y est utilisé, pour étudier des choses, je dirais, qui relèvent plus particulièrement de la sociologie générale, puisque, pour prendre un exemple, j'ai écrit des textes sur le sentiment national, où j'ai fait une analyse du phénomène nazi. Bon, hein, donc, bon. Mais, je dirais que cette façon de faire donne une extension à la psychosociologie, peut-être un peu abusive, c'est pour ça que je parlerai dans ce cas-là, sur les nations, sur les grands problèmes, d'un certain type de regard psychosociologique, mais que, je dirais, que la psychosociologie, au sens strict du terme, c'est là où, effectivement,
un intervenant peut accompagner la démarche d'un groupe, d'une organisation, d'une institution. Donc, la psychosociologie au sens limité du terme, je dirais que c'est plutôt la science, entre guillemets, car je ne sais pas s'il y a de vraies sciences humaines, la science des groupes, des organisations et des institutions. Pour le reste, c'est plus un regard psychosociologique que véritablement une démarche totalement psychosociologique. D'accord. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Oui, la distinction est précise. Et donc, lorsque vous vous intéressez à un groupe, on va dire, restreint ou circonscrit, en tout cas, oui. Vous le faites pratiquement, d'ailleurs, en utilisant des éléments de travail qui viennent de l'ethnologie aussi, de la sociologie, donc de la psychologie, et sur des démarches qui vous ont amené à faire apparaître comme centrales les deux notions de pouvoir et de désir. Et j'avais un petit peu l'envie de vous demander si vous ne pensiez pas que ces deux notions, d'une certaine façon, se résument et se concentrent dans le thème du secret, qui est aussi un moyen de faire fonctionner une organisation. Alors, je répondrai sur deux plans, rapidement. Je dirais que, compte tenu d'une part de ma formation et d'autre part de l'orientation psychosociologique elle-même, c'est vrai qu'elle essaye d'intégrer soit des notions et des méthodes, je dirais, inventées au travers du travail de consultation, de formation et d'intervention, mais également elle essaye d'intégrer des éléments qui viennent, je dirais, de la démarche ethnologique, de la démarche de la sociologie globale, ou même parfois de la démarche psychanalytique, avec cette espèce d'attention que l'on a, je dirais, au processus inconscient, au processus d'angoisse, au phénomène de transfert ou de contre-transfert qu'il peut y avoir entre l'observateur ou l'intervenant et le client. Et donc, je dirais que c'est aussi un de ces problèmes que, en tant que discipline, pour ne pas parler de science, une discipline charnière, elle est parfois une discipline impure, car elle emprunte un certain nombre de ces éléments à d'autres disciplines. Même si elle en a créé un certain nombre, elle en emprunte quand même pas mal à d'autres. Et ceci étant, pour répondre à la deuxième partie de votre question, sur cette fois-ci la jointure que vous faites entre pouvoir et désir sur le problème du secret, je dirais que, à première vue, je serais assez d'accord avec vous, dans la mesure où le pouvoir s'énonce rarement comme tel. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui apparaît, c'est comme je l'évoquais dans mon exposé, plutôt des formes d'autorité, des capacités de leadership, des prises de décision, mais que le pouvoir d'un homme ou d'un groupe, et quand je mets pouvoir, je veux dire la puissance interactive, donc qui renvoie au psychisme le plus fort, comme la puissance donnée par l'appartenance à un groupe, à une classe, à un certain rang social, etc. Donc, je dirais, le versant politique apparaît peu. Je dirais que dans le terme de pouvoir se trouve un peu coagulé et non seulement les phénomènes organisationnels au sens strict du terme, mais aussi le plus intime de l'individu et le plus politique du social. Bon. Et donc, c'est vrai qu'on le voit peu, le pouvoir. Ou si on le voit, parfois on ne le voit pas où il est. Et d'autre part, il s'avance masqué. Il s'avance masqué sous d'autres termes, c'est sous d'autres formes. Et de la même manière, le désir, il existe, tout le monde sait qu'il existe, mais néanmoins, on fait comme s'il n'existait pas, dans la mesure où dire que, par exemple, il y aurait un désir de pouvoir des dirigeants mettrait en cause la rationalité des décisions qu'ils peuvent prendre. Parce que s'il n'y a que du désir de pouvoir, ça veut dire qu'après tout, ce sont des êtres passionnels à peu près comme n'importe qui. Et d'autre part également, qu'on ne peut pas beaucoup parler non plus du pouvoir du désir, parce qu'à ce moment-là, on aurait l'impression que
on est dans une espèce de lutte possible, un peu passionnelle, un peu irrationnelle, que l'on ne verrait pas, que l'on ne voit pas. Et dans une certaine mesure, donc, on peut dire que le pouvoir est masqué et que le désir aussi, tout en sachant qu'il existe, n'arrive pas à s'exprimer véritablement en tant que tel. Autrement dit, il y a bien un lieu du secret dans l'organisation, parce que personne, je dis bien personne, ne veut totalement dire quel est son propre désir, parce qu'on a trop peur d'être critiqué ou que ce désir soit manipulé, aliéné, et personne ne veut avouer aussi totalement son pouvoir, qu'à partir du moment où il l'avouerait, il pourrait être contesté ou on pourrait le lui enlever. Et donc il y a bien quelque chose de l'ordre du secret dans l'entreprise, mais ce sur quoi j'aurais peut-être une interrogation, c'est qu'en même temps, je dirais qu'il y a deux types de secrets. Il y a le secret qui est là parce que, justement, on ne veut pas le voir, on le refoule, on le réprime, on le met de côté, justement, parce que ça vise quelque chose qui semble dangereux. Les Allemands disent souvent que ce qui est dangereux, ce n'est pas ce qui est véritablement étrange, c'est ce qui est le plus familier, mais que l'on a refoulé. Et quand il revient, ça donne une impression d'étrangeté et d'inquiétude. Ben, je dirais que dans ces conditions-là, effectivement, il y a des désirs, il y a du pouvoir refoulé, réprimé, écarté, canalisé, etc. Et je dirais qu'une des actions de la psychosociologie, c'est d'essayer de rendre visible ce qu'on a essayé de rendre invisible. Mais, et c'est pour ça que la nuance que j'apporte, il y a un secret qui doit être néanmoins maintenu. C'est-à-dire que le droit au secret, pour chaque personne, et je dirais aussi pour chaque groupe et chaque organisation, c'est aussi la possibilité de ne pas être totalement transparent, de ne pas être comme une espèce d'éponge dans laquelle on pourrait faire passer n'importe quoi, de ne pas être comme une espèce de miroir. C'est pour ça que pour ma part, j'ai toujours été contre les idées d'une société totalement transparente à elle-même. Si nous savions véritablement tout ce qui se passe, ça serait terrifiant. Il y a une phrase de Rimbaud qui est admirable. Si je connaissais tous vos souvenirs, je vous étranglerais. C'est-à-dire que ce n'est pas acceptable. Il y a d'ailleurs un passage assez extraordinaire dans un texte de Lewis Carroll, où Lewis Carroll montre bien que si on pouvait tout savoir, on serait effrayé, parce que justement, on saurait ce que les gens veulent masquer, parce qu'ils veulent se le masquer à eux-mêmes, et puis parce que de toute manière, ça leur ferait du mal ou ça ferait du mal aux autres. Et je dirais donc, il y a un domaine du secret qui doit être préservé et qui ne touche pas au problème du pouvoir et du désir, mais qui touche plus exactement, je dirais, à la protection de chacun d'entre nous pour ne pas être à la merci soit de ses passions propres les plus délirantes, soit à la merci de l'autre. Et donc, c'est pour ça que, je dirais, il y a deux sortes de secrets, l'un à préserver et l'autre à démasquer. D'accord. Et ça participe, ce que vous venez d'évoquer, ça montre bien, je crois, les éléments tragiques qui animent la vie sociale et la vie des organisations. Et ce que je trouve assez impressionnant, c'est qu'en même temps, vous indiquez, ou en tout cas c'est ce que j'ai compris, que si l'on veut bien travailler d'une certaine manière, il est indispensable d'avoir de l'humour. Est-ce que c'est une proposition à laquelle vous souscririez ? Oui, ben absolument. Je veux dire, vous voyez, pour moi, le tragique
ce n'est pas le pathos, c'est pas le pathétique, c'est pas les larmes, c'est pas les grands sentiments, c'est pas les grandes déclarations, etc. Je dirais, justement, je suis à la limite contre le dramatique, qui me semble toujours mélodramatique, en quelque sorte, et je suis pour le tragique. Ça veut dire tout simplement, le tragique, c'est se rendre compte qu'il y a un certain nombre de processus qui ont des formes différentes, mais qui sont relativement invariants dans toutes les sociétés, comme la nécessité de maintenir la différence entre les générations et entre les sexes, c'est-à-dire le respect, je dirais, de la prohibition de l'inceste, hein, le fait de d'accepter le globalement dans son propre groupe de ne se pas s'auto-détruire ou le de tu ne tueras point est un élément même peut-être un peu idéalisé mais totalement essentiel pour dans une société donnée et que justement ces éléments qui se déclinent de façon différente suivant les sociétés hein, définissent bien qu'il y a quelque chose de tragique dans la vie, c'est-à-dire que, dans une certaine mesure, tout n'est pas impossible, qu'il y a des lois, qu'il y a des normes qui nous obligent et qui fait que la mégalomanie, l'omnipotence, le désir total, etc., n'aura pas lieu. Et que, si par hasard ça a lieu, eh bien, en tout état de cause, on en sera puni. Par exemple, je dis d'une façon simple, un fantasme, c'est toujours fait pour ne pas devenir réalité. Un fantasme, c'est fait, hein, le fantasme en tant que mise en scène du désir, c'est fait en tant que ça peut nous faire bouger, nous donner envie de le réaliser. Mais un fantasme qui se réalise, hein, et c'est pour ça que, la fameuse phrase « prenez des désirs pour des réalités », on peut s'interroger dessus. Un fantasme qui se réalise, c'est comme si l'impossible se réalisait. Et si on touche l'impossible, on touche à la limite, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de la transgression de ce qui fait que l'on peut constituer en quelque sorte une société, c'est-à-dire toujours quelque chose qui, en tout état de cause, malgré tous les perfectionnements qu'on peut lui donner, restera toujours approximatif. Il y a, une phrase de Balandier qui me semble très juste. Il dit « Tout modèle social est approximatif » et ça me semble extrêmement juste. Et donc, je dirais que le tragique, c'est de savoir qu'en même temps, tout n'est pas possible et que de toute façon, une transgression, non pas de telle et telle loi ou de telle et telle norme, mais une transgression, je dirais, des interdits fondamentaux, eh bien, on les paye à un moment ou à un autre. Hein. Quand une société, par exemple, est mégalomaniaque, un jour, elle le payera, et un homme aussi. Et donc, c'est en même temps le tragique, et peut-être si j'ajoute le tragique, je dirais qu'on n'a rien sans rien. C'est-à-dire qu'on a toujours une dette vis-à-vis de ceux qui nous ont formés, et on a aussi une dette vis-à-vis des générations futures. Et que cela, personne ne peut l'éponger à notre place, et que dans ces conditions-là, c'est difficile de la vivre avec, ça nous donne un certain type de souffrance qu'il faut bien accepter. Et c'est ça que je mets dans le tragique, sans mettre, vous voyez, d'émotions particulières, ni de sentiments angoissants en le disant. Hein ? Bon. Et c'est pour ça que je dis qu'en même temps, on peut sentir le tragique de la vie tout en ayant de l'humour. Hein ? C'est-à-dire, c'est vrai, les cas sont graves, mais ils ne sont pas désespérés. Bon, c'est-à-dire que cet humour qui nous permet d'être dans ce que l'on fait, mais en même temps d'avoir un certain degré d'ironie par rapport à nous-mêmes, de faire des choses auxquelles on croit, mais en même temps pouvoir accepter que peut-être on se trompe et qu'elles n'auront pas les effets escomptés. Je dirais que c'est aussi une certaine façon d'avoir un certain degré de cohérence et de maîtrise de soi, tout en sachant qu'on ne l'a pas complètement, heureusement, parce que sinon on serait des espèces de robots, mais qui nous permet
de ne pas céder facilement aux illusions collectives, aux croyances collectives les plus démentielles, c'est-à-dire de se dire, eh bien, les choses sont difficiles, les choses sont dures, mais elles sont dures pour moi comme pour tous les autres, elles sont peut-être plus dures pour d'autres que pour moi, donc essayons de les voir avec, je dirais, un certain degré d'humour qui me permet d'une part de les prendre au sérieux, mais en même temps de ne pas totalement m'identifier à elles et de ne pas tomber à ce moment-là dans ce que j'appellerais la plainte généralisée, dans le style « que pouvons-nous faire ?»« C'est comme ça dans la vie », etc., etc., qui amène à la démission des individus. Monsieur Henriquez, je vous remercie.